se retrouve dans une vidéo à Courmayeur pour une alternative de démarrage sur un Bell 429. J'ai déjà fait Bell 429, mais celui-ci c'est le WLG, donc en fait il n'est pas sur, sur rampe, mais il est sur roue, donc avec un train d'atterrissage qu'on peut rentrer. Et en fait, il a, je sais pas si c'est voulu ou si c'est un bug, mais en fait, il est, il a un défaut, c'est que, ici là, les manettes de gaz, les throttles, elles fonctionnent pas ensemble. Je m'explique. En général, le throttle, on prend un seul axe et on met throttle. Et en fait, sur celui-ci, le throttle ne fait pas bouger les deux manettes de gaz. Il fait rien bouger du tout. Donc en fait, il faut trouver un axe pour mettre le throttle 1 et un autre axe. Alors moi, je l'ai mis sur l'autre parce que j'en avais pas assez. Pour mettre le throttle 2. Et donc il faut les faire indépendamment, et de cette façon, il y a le throttle 1 qui est manœuvrable, et le throttle 2 qui est manœuvrable, indépendamment l'un de l'autre. Et si vous n'avez pas ça, vous ne pouvez pas démarrer, ça cale et ça ne fonctionne pas. Voilà. Donc pour le démarrer, déjà, il faut penser à configurer cette partie, ces axes-là de joystick, c'est important, sinon vous ne pourrez pas l'utiliser. Et sinon, le démarrage, c'est kiff-kiff au 429. Alors, on peut utiliser le GPU. Je vais le faire avec le GPU aujourd'hui. Donc, normalement, quand je clique sur GPU, j'ai l'impression qu'il n'a pas pris. Hop. Non, il ne l'a pas pris. Alors, pourquoi il ne l'a pas pris? Un zoom. Ah, là, il l'a pris. Normalement, on a le GPU qui doit être par terre. Voilà, donc là on a le générateur externe, alimentation électrique. Tant que les moteurs sont pas démarrés, c'est pour éviter de tirer sur la batterie. Donc là on a un petit peu de courant, ce qui peut nous permettre d'amorcer le démarrage des moteurs, d'allumer les premières choses. Donc on peut démarrer l'anti-collision, qui est le minimum. Les voyants de sécurité. Rien ne s'est allumé, c'est parce que j'ai pas encore allumé la batterie. Bon, on peut l'allumer quand même, même si on a le GPU. Du coup, ça va nous permettre d'allumer les écrans. Voilà. Là, on va pouvoir ouvrir les vannes de fuel pour pouvoir démarrer les moteurs. Donc il me met qu'il n'y a pas de fuel, c'est normal, que les engines sont éteints, c'est normal, tout ça c'est normal. Et en orange, il me met des choses que je pourrais activer, qui ne sont pas encore activées. Donc pour l'instant, on va démarrer. Donc je vais prendre le starter là, on peut démarrer qu'un seul moteur à la fois, donc on va démarrer le numéro 1 en premier, celui de gauche, on tourne, et là normalement, il va démarrer. Voilà, donc là il commence à tourner. Donc on voit là tous les voyants qui sont en train de monter par rapport à l'engine 1. Donc ça c'est normal. Et quand il est démarré, on le laisse allumer et on va démarrer celui qui est à droite, le 2. Voilà, donc là il y a les aiguilles qui bougent, les niveaux qui montent. Voilà. Et donc après ce démarrage, donc là ils sont séparés, alors on peut augmenter les gaz de l'un pendant que l'autre termine son démarrage. Par exemple le 1. Je vais pouvoir augmenter le throttle 1 pour le faire monter en vitesse. Et je vais aussi pouvoir monter le throttle 2 pour faire monter aussi en vitesse. Voilà. Donc il sonne à un moment parce qu'il est sur une vitesse intermédiaire. On va pouvoir s'occuper d'allumer les feux de position et les strobes. Voilà. Donc là, on a désormais...
Alors il me suggère d'allumer les générateurs des turbines, donc ça c'est normal, on va pouvoir laisser le GPU du coup, normalement. Voilà, il est parti. Donc là on est bon et il me suggère en fait d'activer les régulateurs là pour stabiliser l'appareil, le AP1 et le AP2 qui sont ici. Et park break, c'est que j'ai encore le frein des roues, je peux pas faire rouler l'appareil. Y a aussi, il faudra penser aussi à rentrer le train d'atterrissage, c'est ce voyant blanc là. Sinon l'appareil est prêt à décoller. J'espère que ça pourra vous aider à l'utiliser parce qu'on peut rester bloqué juste à cause du throttle. Et je vous souhaite bon vol si vous êtes amené à l'utiliser ou même avec d'autres. À bientôt.